All rise, veuillez vous lever. Please be seated, veuillez vous asseoir. Good afternoon to everybody. Le juge président, rebonjour à tous, rebonjour à vous, monsieur le témoin. Asked to go into private session. Nous allons passer à huis clos partiel et nous verrons comment nous allons poursuivre. Le président. Bonjour, non, que dis-je. Bon après-midi, monsieur le témoin. Bonsoir. 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 Le président. Today, aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de temps. Il ne nous reste que 15 minutes d'audience. Donc, nous allons être très efficaces pendant ces 15 minutes. Nous allons les utiliser pour vous identifier. Je vais vous poser des questions à cette fin. Et je vais vous donner quelques consignes de base, afin que demain matin, on soit d'attaque dès 9h et qu'on puisse commencer les questions des parties. Alors, première chose à faire, il faut que nous vous identifions. Alors, donnez-nous, s'il vous plaît, votre nom complet, ainsi que votre date et lieu de naissance. Je m'appelle Okou Traoré. Je suis né en 1947, 1er janvier 1947, à Lafonka, Katiola. And you are Ivoirian. Vous êtes citoyen ivoirien, c'est cela? Can you give us also your ethnicity? Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire quelle est votre appartenance ethnique et quelle est votre religion? Je suis Tagwana. Tagwana, c'est à Katiola, au centre de la Côte d'Ivoire, à 45 km de Boaké. And you are a Muslim? Et votre religion, vous êtes musulman? Thank you. Question, merci. Alors ici, nous allons vous appeler monsieur le témoin. On ne va pas citer votre nom. On s'adressera à vous en vous appelant monsieur le témoin. C'est ainsi qu'on fait toujours. D'accord, monsieur le président. We know that you have requested. Nous savons que vous avez demandé un peu d'aide pour votre déposition et vous recevrez cette aide, bien sûr. Vous avez demandé des pauses supplémentaires, des pauses lorsque vous avez besoin de lire quelque chose, de l'aide pour lire. Donc sachez que si à un moment ou à un autre, vous ne vous sentez pas bien, vous n'êtes pas à l'aise, vous avez un souci, faites-le-moi savoir et nous ferons en sorte de répondre à votre souci. Ensuite, deuxième chose très importante,
Ça a à voir avec les langues que nous parlons ici. Vous parlez français. Ce procès est bilingue, français-anglais. Or, moi, comme vous le remarquez, je parle anglais. Nous devons donc passer par le truchement d'interprètes. Il faut que l'interprétation soit exacte. Et pour compliquer les choses, nous devons aussi transcrire vos propos, les noter en temps réel au dossier. Il y a donc des personnes qui interprètent vos propos, nos propos, et des personnes qui consignent par écrit en temps réel tout ce qui est dit. Donc, je vais vous demander de ne pas parler trop vite. Vous voyez, je parle lentement en ce moment, il faut aller à ce débit-là. Ainsi, les interprètes et les sténotypistes pourront faire leur travail correctement. This will be even more important. Et ce sera très, très important lorsque les questions vous seront posées en français. Là, on vous demande de ne pas parler trop vite et clairement. Alors, en ce qui concerne votre déposition, votre témoignage, je me doute que vous savez pourquoi cette chambre a été mise en place. C'est pour juger de l'affaire du procureur contre M. Gbagbo et M. Blégoudé. Vous avez été cité ici en tant que témoin pour aider les juges de cette chambre à trouver la vérité. Donc, on va vous poser des questions. Ce sera d'abord le représentant du bureau du procureur, ensuite les représentants légaux des victimes, et ensuite les deux équipes de la défense, celle de M. Gbagbo et celle de M. Blégoudé. Alors, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est dire la vérité. Vous êtes un témoin de la cour. Vous n'êtes pas ici pour témoigner en faveur d'une partie ou de l'autre. Vous êtes ici témoin de la cour pour dire la vérité. C'est clair? So, according to the law, en tant que témoin, du fait de nos textes de loi, vous devez vous engager solennellement à dire la vérité. C'est pour cela que je vous demande de répéter après moi les mots suivants. Je déclare solennellement que je dirai la vérité. Répétez. Que je dirai la vérité. The whole. Toute la vérité et rien que la vérité. Vérité. I have also to inform. Je suis aussi obligé de vous dire que le faux témoignage est un délit devant cette cour et donc punissable. C'est clair? Okay. Très bien. Alors, pour que votre témoignage soit rapide, pour que nous facilitions la vie aussi, je vous conseille de répondre clairement et brièvement aux questions, tout en étant bien sûr complet. Et si on suit cela, je pense que nous en tirerons très bien. Ceci donc mettrait un terme à l'audience d'aujourd'hui. Il n'y a plus d'autres sujets à aborder, mais demain à 9h du matin, je donnerai immédiatement la parole à la représentante du procureur qui commencera à vous poser des questions tout de suite. D'accord? Le président, très bien. Je vous remercie, monsieur le témoin.
Madame l'huissier, veuillez escorter le témoin hors du prétoire. I have seen Maître Altit. Le président, je vois que Maître Altit souhaite prendre la parole. Vous avez la parole, Maître Altit. Madame Nahouri, qui mènera l'interrogatoire de ce témoin au nom de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo, voudrait s'adresser extrêmement brièvement à votre chambre concernant la manière dont nous pourrons avancer pour essayer d'aller vite. Et en particulier la question du huis clos. I was going to say, but she's not here. J'allais dire qu'elle n'est pas là, mais si je la vois. She Donc, appeared. Elle est apparue après avoir travaillé en coulisses. Je vois bien qu'elle a beaucoup travaillé en coulisses et tout d'un coup, elle intervient. Mais elle a beaucoup travaillé quand je vois toutes les écritures et toutes les soumissions. Vous avez la parole. Aborder brièvement, nous pensons qu'elle devrait être abordée à huis clos. Donc, est-ce que nous pouvons passer en séance à huis clos ? Partiel. Huis clos partiel, pardon. Merci. We can move. Oui, passons à huis clos partiel. Madame le greffier, s'il vous plaît.